C'est sous le coup des 15 heures, dans une ambiance bon enfant, des chants, des mélodies harmonieuses, que Paul Kassembé, le président du comité de direction du Dari Club Motema Pembe, a fait son entrée, des plus apaisantes et des plus agréables, en présence du ministre provincial de sport, Paul Ilouah, du bourgmestre et de la commune de Kinshasa, bienvenue Mbalimbi. La présence significative également des cofondateurs du club, dont la plus honorable de l'un des plus vieillissants, Jonas Mukamba, est à noter. D'autres aussi, comme Charlotte Ambouilombe, le colonel Donald Yoke, les deux présidents des sections de football et de basketball, respectivement Noël Kaniki Mbikai et Fabrice Lonkeke Issa Mpembe, ont tous aussi rehaussé de leur présence à ces départs symboliques. Introductif du secrétaire adjoint de DSMP, Omer Makutu, qui a circonscrit les cadres de cette cérémonie haute en ambiance. Elle est grande, c'est pourquoi? Parce qu'il y a un fils qui s'appelle Paul Kassembe, qui vient d'aider notre patriarche. Il y a tout le temps des soucis. Et il a toujours dit, un jour, Dieu va me demander, Jonas Mukamba, quand tu fais des clubs comme ma vie. Ah, il va lui dire, j'ai trouvé un fils, et ce fils-là m'a fait honneur. Il m'a fait revenir dans un stade, rien à craindre, que j'avais longtemps oublié. Et aujourd'hui, ce stade est racheté. Il m'a fait honneur.
Il va lui dire que c'est des mecs-là que vous avez toujours voulu qu'ils soient unis. Mais aujourd'hui, ses fils va réunir ce drain. Et ce drain va revivre, ce drain va se révéler. Merci. Parce que les travaux ont trois étapes. Il y a l'heure de jeu, où l'entreprise va s'occuper. Il y a la clôture, où il y a une entreprise. Et puis il y a le gradin et le vestiaire. Donc, pardon. Les coûts, c'est dans les 2 700 000 dollars. Du contexte. Voilà le niveau où le président du comité de l'élection nous a placés. C'est le moment pour mettre fin aux antivaleurs qui rongent notre clair. Car nous avons toujours dit, dingue, il est fort. Le Moïse de Darig Men a accompagné Paul Hillois, ministre provincial, pour la pose de la première pierre, annonçant officiellement le début des travaux de rénovation du stade Cardinal Malula, ex 24 novembre, qui aura bientôt pour bailleur les Dessampé. Le ministre provincial s'est félicité de ce contrat avec le club Imania, qui s'inscrit dans la vision du gouverneur de la ville. Centimètres. Alors, les 5 cm là, ce sont les poussières des caillasses. Et puis, le reste là, c'est la terre jaune. Vous avez compacté. Oui, arrosé et compacté. Et
La ronde du terrain effectuée par toute la suite conduite par le maître des chantiers. La première étape consiste à refaire les caniveaux autour de l'aire de jeu pour en ressortir la hauteur exacte le plus tôt possible. Après, le plus gros travail suivra. 17h, les espoirs accompagnent l'hôte et tous ses invités des marques qui voient en ce projet une grande vision pour le développement intégral du club de mois et des années à venir.